Donc, bonjour, on est là pour préparer la suite de notre leçon sur le cycle de vie et de développement des végétaux. Donc, je vous présente le montage que je vais faire, que vous pouvez faire à la maison si vous avez le matériel. Vous allez voir, c'est tout simple, tout simple. Il me faut un petit récipient, si possible transparent. Comme ça, on va pouvoir voir les différentes étapes au fur et à mesure. Sinon, bah, vous prenez un pot de yaourt, vous mangez le yaourt qui est à l'intérieur, vous rincez votre pot et ce sera largement suffisant. Il me faut deux cotons. Voilà. Et il me faut des graines. Alors, dans les graines, moi je prends des graines de lentilles. Vous prenez des graines sèches, vous prenez des haricots rouges, vous prenez des haricots blancs, des lentilles, qu'on s'en fiche la couleur. Ce qu'il faut, c'est que ça soit des graines qui ne soient pas cuites déjà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est sec. Et il me faut un petit peu d'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va prendre le premier coton. On va le mettre au fond du pot. Voilà. Ensuite, je vais prendre quelques lentilles. Voilà, donc quelques lentilles que je vais mettre pareil dans mon coton. Je vais arroser un petit peu. Voilà. Et je vais venir placer le coton par-dessus. J'arrose à nouveau. Si jamais comme moi vous en avez mis beaucoup, vous regardez pour évacuer le surplus d'eau. Comment je vais faire? Je vais pencher mon coton, je vais appuyer, et s'il y a trop d'eau, l'eau va sortir. Voilà. Donc, vous laissez votre montage comme ça pendant à peu près 2-3 jours. Vous soulevez le coton d'ici 2-3 jours. Vous regardez s'il y a des modifications. Vous essayez de prendre une photo par étape. Et le but est de voir les évolutions et voir comment va se dérouler. Bah, cette graine, ici des graines de lentilles, ce qu'elle va donner un peu plus tard. Donc, moi je vais faire ça régulièrement. Je vais prendre des photos, j'essaierai de faire un time-lapse pour vous faire un compte-rendu de tout ça. Et on regardera sur les conditions de germination pour nos lentilles. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à laisser des avis. Vraiment vidéo très très simple, montage très très simple, n'hésitez pas, essayez, essayez, essayez avec des pépins de pommes, avec ce que vous voulez. Là j'ai choisi des lentilles ou des haricots parce que c'est assez rapide à faire germer. Bon, à vous de voir ce que vous avez sous la main. Allez, je vous souhaite bon courage et à la prochaine.